de ma vie. Moi, Océane, je te reçois Sylvain comme époux et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Désormais, vous êtes unis par le sacrement, par les liens du sacrement du mariage, ce que Dieu a déjà réalisé, qu'il le mène maintenant à son accomplissement. Et nous pouvons les applaudir.
protège cet amour et aide-nous à nous consolider chaque jour. Protège aussi nos familles et amis. Que tous nous arrivions à vivre dans la paix et bienveillance. Seigneur, prends aussi soin de ceux qui nous regardent de là-haut. Nos grands-mères, Rosanna, Babette, Rosa. Nos grands-mères, Antonio, Michel, Rodolphe, Guido, Nicolas, mon cousin, et Béni, mon ami. Il manque énormément. Seigneur, toi qui es l'amour, bénis tous ceux qui aiment et bénis notre amour. Amen. Je vais maintenant vous associer à cette prière à travers celle que les deux mamans, je vous prie, vont maintenant nous partager. Nous prendrons entre chacune de ces prières le petit refrain. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Le chômage, la maladie, aide Océane et Sylvain et tous les couples qui s'aiment à partager leur amour avec les plus pauvres et à toujours se battre pour un monde plus fraternel. Seigneur, entends la prière qui monte de vos cœurs. Chacun dans le secret de notre cœur. Nous pouvons aussi, si nous voulons, formuler une prière qui s'adresse à Dieu, ou si nous ne sommes pas croyants, simplement formuler un vœu, si vous voulez, quelque chose de bon.